Eh bien bonjour à tous les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS2. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va jouer à ETS2, hein, logiquement, LOL, quoi, LOL XDMDR. Donc, du coup on va jouer à ETS2, on va, ouais, voilà, on va faire quelques transports ensemble, tranquillement. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc je vous préviens, cette vidéo c'est vraiment une impro, on va dire une impro parce que je tourne comme ça au hasard. Voilà, j'avais envie de lancer la vidéo, du coup j'ai lancé la vidéo. Puis bon bah voilà, du coup voilà. Et en plus ça change un petit peu de famille, parce que bon, j'ai sorti deux vidéos sur le bout du monde. Il y a encore une vidéo sur le bout du monde qui attend là, que je vais encore mettre en ligne, mais je crois que je vais la mettre en ligne après cette vidéo là, parce que bon, trois vidéos sur le bout du monde d'affilée, je trouve que ça fait beaucoup, en sachant que ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo en ligne, encore une fois, hein. Donc voilà, donc, juste pour changer un peu, je joue un petit peu à TS2, voilà. De toute façon j'aime bien le TS2, je commence un peu à en avoir marre de farming, parce que c'est toujours la même chose sur farming. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué à TS2, et puis il y a même pas une semaine j'ai commencé à jouer à TS2, yep. Grâce à Guillaume, parce que bon, lui aussi il s'est procuré le jeu, voilà, procuré, on va dire procuré, hein. Et du coup bah, on a essayé de jouer en multi, et puis bon bah, voilà quoi, mais ça marchait pas, voilà. Et puis du coup bah je me retrouve tout seul comme un con, et bon bien évidemment je suis en solo. Je vais vous montrer mon camion, voilà, quand je vais m'arrêter à la prochaine arrêt, enfin la prochaine station, je sais pas trop quoi, on verra bien ce que c'est. Puis bon, je vais m'arrêter là-bas pour vous montrer ce camion. Donc déjà, je sais ce que vous allez dire. Attends, comment t'as fait pour acheter ça? Parce que c'est vraiment de la merde, tu vois, c'est une Mercedes, enfin un camion Mercedes, pardon. Comment as-tu osé acheter une telle merde? C'est pas possible. Je suis bien d'accord avec vous, mais ça c'est juste la marque en fait, hein, parce que j'avoue, Mercedes c'est vraiment de la merde, ça tire pas. Tu sais, c'est comme les masses de Ferguson, c'est la voie, c'est vrai en fait. Mais bon. Après c'est un ami Mercedes, hein, comme si. Mais bon, du coup bah voilà quoi, on se retrouve pour une vidéo. Mais bon, voilà, je suis un petit peu regardé de ce que je dis, mais c'est pas grave, parce que je vous dis c'est une impro totale. Enfin c'est comme d'hab en fait, c'est une impro, ce sont toujours des impro totales, mais bon. Du coup bah voilà quoi. Pourquoi je roule dans une Merco? Parce que bon, j'avoue, le camion lui-même, genre la marque elle est dégueulasse, mais le style, enfin la gueule du camion à l'extérieur il est magnifique, c'est la seule raison pourquoi j'ai pris ce camion là. Mais bon, j'ai des petits coups de vous pouvez dire des petits coups de bug, n'importe quoi, des petits coups de lag, là j'arrive pas à parler, 1, 2, 3. Des petits coups de lag, mais bon, c'est pas si gênant que ça. Voilà, donc j'avoue, je l'ai dit dans la vidéo de sur le bout du monde, épisode 3, je crois, voilà quoi. Je vous dis pour ceux qui regardent encore, hein, je vais faire des pondages de fumier, voilà, je vous le dis. Comme ça vous êtes au courant, pour ceux qui le savent, comme ça voilà, il y a plusieurs prises, hein, de toute façon voilà. Et puis voilà quoi, j'ai dit qu'on pourrait peut-être arriver aux 150 abonnés avant la fin du... avant la fin de l'année, et du coup aussi moi, parce qu'on est déjà en décembre. Ouais, je vais descendre là-bas, enfin je vais descendre, pourquoi, j'allais sur la station essence, là. Hop, je vais mettre les clignotants. Oui, on arrive comme des bourrins, c'est pas grave. Donc bien évidemment mon entreprise s'appelle TFN Transport. Je vais faire le plein ou pas? Ouais, tant qu'on y est. Je vais me garer plus loin après. Hein. Hop. Je vais retarder. Il y a juste un petit truc que j'aime pas vraiment sur ETS2, c'est... Attendez, on va tout ça. Ouais. C'est... Vous entendez ça? Bah en fait, ça dit... au bout d'un moment, ça dit que la pression de l'air dans je sais plus trop quoi, elle est trop faible et tout. Et que moi, du coup, bah... il faut faire tourner le moteur, je sais pas quoi, mais moi, ça marche pas, malheureusement. Donc, je sais pas comment faut faire. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît, vraiment. À chaque fois, je suis obligé de quitter. Hop, on va juste se garer. Hop, on va éteindre le moteur. Je vais tourner comme ça, après je peux repartir immédiatement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Ah, bah, vous verrez toujours pas. Déjà, voilà, le chargement, il est assez long. Et là, tadaaa! Il est beau, le camion, il est beau. Avec des trucs un peu guerriers, comme ça, là. Regardez, les trucs un petit peu guerriers.
Voilà, avec les chevaux, tout, enfin les chevaux, pardon, excusez-moi, je vais dire un cheval, mais c'est des chevaux, n'importe quoi. Voilà, l'avant qui est magnifique, voilà, je trouve qu'il est magnifique, ce camion il est juste magnifique, comme dit. Les trois essieux à l'arrière, franchement, rien à dire à mon goût. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les jeux de guerre comme ça, genre de stratégie avec des chevaux, tout ça, je vous invite à aller regarder une chaîne d'un ami qui s'appelle Moti Larsen. Voilà, je mets le lien dans la description. D'ailleurs, comme d'hab, c'est le lien de la chaîne à Edgar et de la chaîne à Guillaume. Je vous le mets dans la description. Donc là, j'ai pas mis les gyrophares au-dessus parce que bon, de toute façon, il n'y a pas sur le port, du coup, ça sert à rien d'en mettre. Donc voilà. Regardez comment c'est magnifique. J'ai mis quelques modes, par exemple le plateau là, c'est un mode plateau n'importe quoi. La remorque c'est un petit mode. Pourquoi j'ai mis le rétro? Allez, celui-là, bon. Du coup j'ai mis quelques modes, j'ai pas mis de camion parce qu'il n'y a pas vraiment de bon camion à mon goût. Hein. J'aime bien ceux de base, comme celui-là par exemple, je trouve qu'il est magnifique. J'ai éteint les lumières, il est jour, il fait jour. C'est un petit peu inutile. D'ailleurs, je vous ai pas dit, là, on va à Berlin, hein, comme vous voyez sur le GPS, on va à Berlin. Donc voilà, donc on arrive à Berlin tranquillement. Hop. Bon, bah, voilà, hein, ça fait quoi? Attends, c'est combien d'argent? 10 000. 10 000, bah c'est propre. Oh, j'ai passé un niveau. Regardez, de toute façon, j'ai tout admiré, sauf ça, parce que ça, je trouve ça un petit peu chiant, parce qu'on fait des fois, on fait des trucs de 10 heures de route. Je peux vous dire que c'est souvent. Hein. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Bien évidemment, j'ai pas cheaté sur cette partie, hein. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui cheat. Pourquoi vous me croyez pas? Oui, je sais, je me suis foutu devant comme un connard. Ta gueule, toi. Pardon. Et bien évidemment, comme vous voyez, il n'y a pas que moi qui a des chargements particuliers. Enfin, spéciaux, particuliers, comme vous voulez. J'ai pas voulu trop vite non plus, ça serait un peu bête. Je me tiens bien. C'est pas mon habitude de brûler comme vous le savez. Désolé si j'ai des petits bugs de temps en temps, je peux rien y faire, c'est mon jeu qui lag. Enfin, je sais même pas si c'est mon jeu ou si c'est mon PC donc. J'ai l'impression que c'est Iveco ça. Ou c'est mal. Non, c'est mal. C'est la première fois que j'y vais aussi doucement sur un truc pareil. Alors, ils ont quoi à proposer? Direction de la Pologne. Bon bah ok, on va en Pologne. On va en Pologne, il n'y a pas de soucis. De toute façon j'ai mon passeport, techniquement j'ai mon passeport. Donc techniquement c'est bon. C'est quoi, c'est des vitres, c'est ça? Je me pense que c'est une foule.
moi je joue comme ça, ouais, c'est pas forcément super RP, mais bon, on va faire avec. La priorité alors, ah non c'est vrai, ce soir prioritaire. Ah merci. Tiens, au moins un mec sympa ici. Bien, 60. Je roule à 60. Hey, regardez. Oh putain, alors les tailles des ballots, c'est vrai. Dans ce jeu, les tailles des ballots, c'est un truc de ouf. Un ballot fait la taille du camion, quoi. Oh, ta gueule, toi, commence pas à bailler. Pardon, excuse-moi, c'était plus fort que moi. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment l'habitude, hein, écoutez. Si vous n'avez pas laissé un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.